prendre un docteur avec. Oh Ouah. Ça fait pleurer. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Supermax Family. Merci beaucoup, cœur sur vous. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons retrouver le petit bébé démon psychopathe possédé par le diable, Baby in Yellow. Mais nous allons y jouer sur iPhone puisqu'il y a une version mobile et que j'avais vraiment envie de tester pour voir s'il y avait des différences et surtout avoir peur. Vous allez voir qu'il y a le coffre à jouets avec la petite créature qui fait des screamers. Mais avant de commencer à jouer, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer, Et je suis très content de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Opera GX. C'est un nouveau navigateur qui vient de sortir, spécial pour les gamers. Il est vraiment très performant, je vais vous en parler, c'est cool. Merci à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bien sûr, vous trouvez les liens dans la barre d'infos. Opera GX, c'est un navigateur internet fait par Opera, hein, très connu, et il y a plein de caractéristiques vraiment cool. Par exemple, on peut directement lier ses services de messagerie comme Twitch, Discord et tous les messengers. Moi par exemple, vous voyez, j'ai mis Discord et je peux directement accéder à mon Discord. Je vous le rappelle, il est réservé aux membres premium de la Supermax Family. Et puis il y a le GX Player, et en fait on peut également ajouter son compte musical si on en a un, que ce soit Spotify, Apple Music ou YouTube Music. Là vous le voyez, moi j'ai Apple Music, donc je peux directement contrôler ma musique depuis le navigateur, et ça c'est top. Également on peut complètement customiser son navigateur, et ça j'apprécie. Regardez les belles couleurs néon qu'il y a, il y a vraiment plein de couleurs, moi j'adore, je vais prendre celui-là évidemment, j'adore ce type de couleur. Et on peut également changer en mode lumière ou mode nuit, plutôt light ou dark, et ça j'aime beaucoup. Puis également il y a un onglet qui est le GX Corner, et ça c'est vachement cool pour tous les gamers. Ça répertorie tous les jeux gratuits du moment, que ce soit sur l'Xbox Live, PlayStation Store, Steam, Epic, tous les jeux gratuits du moment se retrouvent là. Vraiment, ils vous font le travail pour vous, vous avez besoin de chercher les jeux gratuits, vous cliquez, vous allez chercher votre jeu, et ça c'est génial. Et il existe également une version mobile du navigateur Opera GX, voilà, avec toutes les mêmes caractéristiques, aussi performant que la version bureau, et ça c'est génial. Donc encore une fois, merci à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo, je m'en sers vraiment tous les jours, il est vraiment cool et très performant. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker ça. Et ben voilà, c'est cool. Et maintenant il est temps de lancer le générique. Un énorme merci pour tous vos commentaires. Il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Les commentaires viennent de cette vidéo, c'était la vidéo Ice Cream 5 en mode Outwit, on a fait plein de bêtises, je suis très content que ça vous ait plu. Le premier commentaire vient de Arnaud Claude Tournet qui me dit, fun fact, il n'y a même pas besoin du mode Outwit pour sortir de l'usine, il y a un mode APK de bombes illimitées sur internet et les bombes illimitées permettent de glitcher et de sortir de l'usine. Eh bien écoute, merci pour ton info Arnaud, c'est vrai que le mode Outwit n'est pas le seul qui nous permet de glitcher le jeu, je ne connaissais pas cette astuce, mais ça doit être marrant à faire. Le mode Outwit, c'est vrai que ça permet de faire encore plein d'autres choses, c'est cool, j'essaierai peut-être, merci. Le deuxième commentaire vient de Miaou et Midas qui me dit, mon plat préféré est des spaghettis à la bolognaise, sinon t'es le meilleur et continue comme ça, je suis pendant 3 ans et aujourd'hui tu n'as pas changé, continue comme ça. Merci beaucoup pour ton commentaire, c'est vrai que vous avez été très nombreux à participer, je vous avais demandé de me dire dans les commentaires votre plat préféré, j'ai eu tellement faim et j'ai encore faim maintenant parce que je reparle de ça. Spaghettis bolognaise, c'est trop bon la base, enfin je veux dire voilà, et vous m'avez fait saliver, j'ai faim, je vais manger, salut. Et le troisième commentaire vient de Yumiko qui me dit, hey Max, je m'appelle Yumiko et je suis une nouvelle abonnée, c'est un de mes amis qui m'a parlé de ta chaîne, elle est trop bien. PS, nous regardons ta chaîne depuis le Japon, Tokyo, à Shibuya, on t'adore Max. On te regarde à 4, il y a Minjay, Félix, Yoon et moi Yumiko, même si j'ai 15 ans et 17 ans, on t'adore et c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Mon plat préféré c'est les sushis, le kimchi, j'aime aussi les mochi, le riz, j'aime tout sauf un fruit, les poires. Bon bah écoute, hein, voilà, hein, j'aime vraiment pas. Et toi, j'espère être choisi, sinon c'est pas grave. Merci beaucoup Yumiko. Pff, si tu savais, mon rêve de venir à Tokyo, mon rêve de venir à Shibuya. Voilà, je sais que j'irai un jour, je ne sais pas quand, mais j'irai parce que c'est obligé, quoi, voilà. Et bah si j'y vais et que tu es encore là-bas, ce serait super cool de pouvoir te voir. Bah merci pour ton commentaire, merci à tes amis de me regarder. Toujours un peu hallucinant de me dire que vous me regardez là-bas depuis le Japon. Donc arigato gozaimasu, merci beaucoup. Je sais pas dire grand-chose d'autre en japonais, mais voilà, j'aimerais tellement le parler, mais c'est très compliqué à apprendre. Merci pour tes plats préférés. Moi la poire, ça va. Le fruit que j'aime pas, y a pas trop de fruits que j'aime pas en fait. Donc bah voilà, merci beaucoup. Et merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, on va aller s'installer dans l'espace gaming pour faire Baby Yellow sur portable. Alors vous savez quoi? Suivez-moi. Let's go. Wouh!
Ouh, ça y est, je suis assez l'ourson aussi, il est petit bébé hein, qui va m'accompagner pour faire du baby yellow sur le smartphone pour une fois. Je vais un peu galérer à jouer puisque vous le voyez, j'ai encore ma petite blessure au doigt, hein, ma petite coupure avec le petit pansement. Ça fait très mal, ça fait bobo, donc je pense que je vais galérer un petit peu. Mais c'est pas grave, on va voir si la version mobile est plus effrayante, s'il y a des nouveautés, s'il y a des choses différentes, je ne sais pas. En tout cas, ça se passe sur l'iPhone 12 Pro Max, toi tu laisses un max de likes si ça te fait plaisir de retrouver le bébé en jaune et baby yellow maintenant. Bah c'est parti, let's go! Et bien nous voici dans l'écran d'accueil du jeu, ça dit juste, voilà. Night one, the scissor, it's time for bed, the child, is that what you think? Donc, je crois pas qu'on puisse changer la langue, donc c'est en anglais. Oula, le numéro de la version, c'est la version 1.3.0.610. Alors apparemment, la version, enfin le comment dirais-je, la tenue abeille est payante, hein, ça coûte 1,99€. Non merci, on peut l'avoir sur PC. Par contre, il y a toujours les âmes, on pourra s'amuser avec les âmes et les jouets et tout. Oh non, ça veut dire qu'il y aura encore le screamer! Le screamer de la boule qui chuchote là, blablabla. Bon bah écoutez, c'est parti, nuit 1, on y va. C'est parti, ça lance le jeu. J'ai hâte de voir. Oh waouh! Oh, il est beau! Écoutez, pour un jeu mobile, il est très très beau quand même! Bah écoutez, je suis très étonné de la qualité graphique. Finalement, j'arrive à jouer parce que vous le voyez, mon pouce, enfin mon... Pourquoi je dis le pouce alors que c'est le majeur? Le majeur, il est en bas, il n'est pas sur l'écran. Donc, ça va. C'est même plutôt réactif, on arrive à bien viser. Les effets de lumière sont là, regardez. Tac, tac. Bon, ça change un peu, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Voilà, quand on éteint et quand on allume, il y a un petit délai pour que la lumière se remette, mais bon, c'est assez sympa. Il y a la boîte de jouets, donc c'est vraiment les vrais développeurs, c'est le vrai Baby Yellow officiel qui a été porté par les vrais développeurs sur la version mobile. Je pense que ça existe aussi sur Android, et ça se voit parce que la qualité est là. Et regardez, le petit bébé, il est là! Comment on va l'appeler aujourd'hui? On va l'appeler Gontran! Ah, notre petit Gontran! T'es content? T'as une tête à t'appeler Gontran? Bon, il me regarde avec ses yeux globuleux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas envie de toi, tu vas encore me faire peur, tu vas encore me faire des... Je m'enferme dans les toilettes, voilà. Oh, oh, regardez. Oui, j'ai trouvé une âme. La dernière fois, j'avais complètement oublié de faire la... De m'amuser avec ça. On n'avait pas mis le bébé dans les toilettes. Il est temps... Gontran, il est temps de faire la douche. Viens ici. Oh, regardez. Wouh! C'est la danse de Gontran! Assis debout, assis debout, assis debout! Wouh! Allez, viens! Oh waouh! Est-ce que pour le lancer, c'est. Attendez, parce qu'il faut du coup. Parce que le bouton pour le lancer, il est en bas à droite. Et mon pouce est utilisé déjà. Donc attendez, je fais ça et. Wouh! Oh, Gontran! Mais non, mais c'était pour tester! Ouais. Est-ce qu'on peut sortir? Y'a le couloir et tout! C'est vraiment la toute. Gontran, je pensais t'avoir pris dans les bras. Oh, je t'ai lâché. Pardon, pas fait exprès. On y va. Regardez, on est dans le couloir. Oh, allez hop, j'appelle l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais, Gontran? Pourquoi tu flottes dans les airs comme ça? 2, 1. Ouverture de la porte. Ah, oh, regardez. Ça approche le 12 décembre. C'est dans moins d'un mois. Nous allons avoir une mise à jour. Alors, oui, non, les toilettes. Ne pas oublier cette fois-ci d'aller mettre Gontran dans les toilettes. Donc, on y va. On le pose. Voilà. Est-ce qu'on peut fermer la... Oh! Oh, le pauvre! Oh, regardez sa tête. Ah! Ton bras, il fait des trucs bizarres, Gontran. Ouh là 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 là, il a pas l'air content. Je vais te faire sortir de là, Gontran. Ouah! Il a sauté! Oh, petit bébé! Allez, encore un petit tour! Comment il tourne? Il a été... Ouah! Oh, mais pleure pas! Attendez, je vais essayer de l'attraper en plein vol. On y va! Ah! Non, j'ai raté. J'étais trop près. Et du coup, j'ai pas réussi. On va jouer à attrape bébé dans les airs. C'est mardi. D'abord, on le pose. On tire la chasse. Et... Oh, mais il va trop vite. J'arrive pas. Bon, allez, dernière tentative. C'est mardi. Hop. Non, Gontran. Ne tombe pas les toilettes. Voilà. Oh, Gontran. Mais viens là. Non, mais... Oh, mais non. Voilà. Oh! Voilà. Flush. Zébardi.
Ah, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé. C'est juste que je l'ai lâché, mais je l'ai attrapé. Bon, allez, ça suffit les bêtises, Gontran. Tu me fais faire n'importe quoi. Oh, attends, Gontran. Je crois qu'il est temps d'aller ici. Regarde. Ouais. Oh, j'ai marqué un panier. Je pouvais pas le faire sur la version PC. Wouhou. Sur la version mobile, il passe. Ah, oh, c'est marrant. Il est content. Regardez. Il sourit. Ah, oh, il est content. Ah oui. Tu joues au ballon? Il est content parce que je l'ai rattrapé en plein air, regardez, hop. Ah ouais. Il est mignon. Oh, bah ça n'a pas comptabilisé. Bon bah c'est pas grave, tu t'assois là. T'es content? Ouais, il a retrouvé le sourire, le petit Gontran Nounet. Ah, ça fait plaisir. On en oublierait presque que c'est un démon. Attends Gontran, je vais d'abord... Attends, je vais chauffer ton lait, d'accord? Oula. Non mais là, ton lait, il a volé. Hop là. Non mais, le lait, qu'est-ce que tu fais des pirouettes là? Oh, voilà, oh, ici. Voilà, allez hop, on chauffe le lait. Wouh, il est où? Oh, il a décollé ici, ah, d'accord. Bon bah le lait est prêt, hein. Ah, il est un peu trop chaud. Il est un peu trop chaud, Gontran, du coup je vais le refroidir. Oh, ici. C'est pas facile parce que ça... Oh, mais dis donc, allez hop. Oui. Et maintenant, bon, toujours enfermé là, truc, voilà. Bon, ça, j'arriverai jamais à le rattraper en plein air. Oh, la violence. Bon, bah voilà, il a la bonne température, ton lait. Bon, il a fait un petit tour aux toilettes, certes, mais bon. Ah, il a fait un petit pouprout. Il a fait un petit pouprout, le petit bébé. Oui, il faut qu'on le change maintenant, le petit bébé. Voilà. Allez, hop. Touc. Oh, la couche en pleine face, quoi. Gontran, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, coquinou. Voilà. Bon, attends, Gontran, je cherche les autres petits trucs, là, pour activer le coffre. Parce que là, je crois que je peux pas activer le coffre à jouets. Il me faut trouver tous les trucs. Là, les trucs, ils font des... Oui. Bon, j'en ai trouvé un. Attendez, s'il y en a un sur la télé. Ouais. Je m'en souviens. Voilà. Ah, bah maintenant, j'ai le mode grosse tête. Oh, regardez! Il est trop mignon! Ça fait quoi un bébé grosse tête dans les toilettes? Tu viens? Bon, là, à mon avis, tu passes plus, hein. Ouais, non. Oh! Ah, il passe! Il a pris la grosse tête, mais il passe quand même! Allez, on va te poser ici. Ne bouge pas. Flush. Wouh! Wow! Ah oui, oh mais ça va, mais des bouis, mais tu pleures, mais des... Oh, t'es vraiment un bébé, hein. Bon, alors attends, il faut t'amener au lit. Oui, bon, bah moi je voulais chercher les souls, les âmes. Trouvons les âmes. Bon, là c'est fermé, j'aurai la clé tout à l'heure. Hein. Allez, Bunny, je crois qu'il y a un truc ici. Oui. Quoi ce bruit? J'ai entendu un drôle de bruit, hein. Bon, Bunny. Oh. Non, je suis enfermé avec lui qui me regarde dans le... Hey, il est creepy là, avec ses gros yeux. Ouh là 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 là, je m'en vais. Voilà. On va attendre mes parents, on va aller sur le sofa. J'aime le sofa. Attendez, il n'y avait pas derrière une porte un truc ici. Non, là, je l'ai déjà pris. Donc, on a 3 âmes. Il nous en manque 3. Allez, on se repose un peu devant la télé. Eh ben non. Voilà, parce qu'il y a Gontran qui a décidé de faire bleu, de pleurer. Voilà, il est pas content. Oh, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Bon, allez hop, il est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Biou. Iou. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Arrête un peu. Arrête. Voilà, t'es content, va tant mieux. Bon, t'arrêtes de pleurer maintenant. Il n'y avait pas une âme ici? C'est bizarre. Ah là. Ouais. On a débloqué le mode Ultra Low Definition. Qui est vraiment pas très joli, hein. Oh, je trouve que ça passe mieux sur iPhone. Étant donné que l'écran est plus petit, donc ça fait moins pixelisé en fait que sur l'écran. Je vais quand même l'enlever, hein. Parce que c'est... Je préfère sans. Voilà. Eh, allez hop. C'est bon. Et les autres sont dans la chambre des parents, je crois. Et je sais plus où. Attendez, il en manque 2. Oh, j'ai pas éteint la lumière. Faut vraiment éteindre la lumière. Mais Gontran, mais tu pourrais l'éteindre tout seul. T'es un démon, non? T'as accès au bouton à distance, non? Bah non, bah apparemment pas. Voilà, bonne nuit.
Ou alors il préfère la lumière allumée. Mais non, c'est là, l'électricité, c'est pas toi qui la paye. Hein. Démon ou pas, mais ah, bon. Hop, voilà. On va pouvoir passer à la nuit 2, c'est-à-dire qu'on se rapproche du moment fatidique, le moment de la peur. Ah bon. Voilà, nuit 2, l'enfant qui rigole. Regarde, c'est pas drôle. Moi, je t'ai dit de pas faire ça. S'il te plaît. Bon. Alors, est-ce qu'on a la clé? On a la clé. Je vais pouvoir ouvrir ici. Alors déjà, oh non, la clé. Oh, voilà la clé. Là. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah. Toutoun. M'a fait peur ce bruit. C'est hyper flippant. Hein. Bon, la dernière âme, elle est là-dedans. Et je peux pas y aller pour l'instant. Il faut que j'avance dans l'histoire. Il est là, regardez. Coucou. Coucou. Oh. Oh, ça va. Bon, tu pleures. Je te sors, moi. Si tu pleures, je te sors. Attention. Wouh. Voilà, bonne nuit. Bien. On va s'occuper de ceci. Oh là. Mais je croyais que t'étais dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es revenu? T'étais dehors. Non. Tu veux le lait? Tiens. Débrouille-toi. Bah, le donner, t'es trop méchant. Eh, je donne pas le lait au méchant bébé démon. Ah, il est content. Bah, tant mieux. Oh, mais tu dégages un gaz. Putrilantiel vert, là. Oh, non. Donne-moi ça. Non. Couche. Tu viens ici tout de suite. Je t'ai pas autant... Qui c'est? Qui a ouvert la porte? Ah, c'est la porte du haut. J'ai eu peur. Ah oui, on va pouvoir prendre la dernière âme. Il me semble qu'elle est ici. Ouais. On a débloqué le coffre à jouer. Mais d'abord, on va changer bébé qui sent mauvais. Oh, ça rime. Ouais, je sais, je suis compositeur de musique. Regardez comme il brille. Oh, c'est la brillance. On apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu fais par terre, Gontran? Je cherche même plus à comprendre. Hein. T'es là, t'es pas là. J'avais oublié qu'il faisait ça, ça m'a fait peur, ça m'a surpris, surtout bon attends. Voilà, on va spawner plein de balles. Regarde-moi ça. Ah oui. Sortez les ballons, sortez, vous êtes libres. Mais ils veulent pas sortir. Sors, voilà, vous sortez, c'est tout. Bon, est-ce que je peux marquer un pas? Oh. Comment? Je lui ai donné un coup de ballon, il a fait... N'importe quoi. Bon, est-ce que je peux marquer un panier? Oh, c'est pas facile, hein. En fait, il faut bien se placer. Oh, non. Oh, Gontran, tu nous casses les oreilles, hein. Ça suffit. Presque. Faut viser un peu plus haut. Oh, mais Gontran, tu me déconcentres. J'arrive pas à marquer. Oh. Bon, c'est toi le ballon, maintenant. Tiens. Ah, bah voilà. Il est content. Il a marqué un panier. Il est content. Bon, très bien. Tu restes en dessous. Faut que je marque. C'est parti. Oh, mais presque. Mais viens là. Viens là. Yeah. Il faut que je marque. C'est pas facile. Oh, bon, il est passé, il a pas compté. Oh, il est passé. Non, il est passé. Bon, on va spawner autre chose. Qu'est-ce qu'on peut spawner? Des trains. Voilà. Qui veut jouer au petit train nounet? Attendez, j'ai jamais mis le train aux toilettes. Oh, attendez, on peut mettre plein de choses aux toilettes et après ça fait genre une méga explo... Oh, rentre. Mais rentre. Mais il veut pas rentrer. Il est méchant le ballon. Oh. Comment je fais? Ah, voilà. Je vais mettre encore un petit train. Voilà, comme ceci. Et je ferme ça. Et j'active le flush. Ouais. Wouh! Explosion de jouets! Et explosion de joie aussi. Jouet, c'est merveilleux. Tu veux jouer à petit train? Tiens. Ah, il veut pas jouer. Bon, bah, c'est pas grave. Est-ce que tu... Ah, un petit train au four. Ça fait quoi? Hop! Ça fait le chou-chou-chou. Chou-chou-chou! Il est chaud, le chou-chou-chou. Est-ce que je peux aller appeler l'ascenseur? L'ascenseur ou la sans frère? Parce que l'ascenseur, c'est la sœur et la sans frère. Pardon. On va pouvoir peut-être passer à autre chose, ça. Bonjour. Ah bah non, c'est fermé. Bon, moi, je vous donne un train, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est de la maison. Allez hop, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va voir s'il y avait un autre jouet. Qu'est-ce qu'il y a ici, docteur? J'ai jamais compris à quoi ça servait, docteur. Pourquoi c'est pas un jouet comme les autres? Regardez, ils sont là.
C'est quand même creepy ces créatures, non? Ils sont là, comme ça. Hop là. Ah oui! Attention. Wouh! Explosion de... On est d'accord. Deux secondes. On est d'accord que les docteurs... Il y en avait pas! Attendez, là... Oh, on se moque du monde! Non! Ah! Je suis envahi de docteurs! On est d'accord qu'ils étaient pas là! Ah! Mais arrêtez! Dès que je tourne la caméra et... de me réfugier ici. Ah! Il y en a là! En fait, les docteurs, ils nous suivent. Ils nous suivent! C'est ça le truc, regardez! Ah! Ils sont dans l'escalier! Oh non! Ah! Ah, cette image avec le bébé, les docteurs autour de... On va spawner autre chose, hein. Voilà, c'est bon. Des ballons. Ballons, bali-ballons, de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Pardon. Ouf, j'en ai spawné beaucoup, là. Oh! Oh! La violence. Est-ce que je peux le mettre dans les toilettes? Attendez, il faudrait que je le place ici et que je flush. Non. Marche pas. Ah! Les deux docteurs là! Ah! Les ballons, calmez-vous! Ah! Bon bah vous savez ce qu'il reste à faire. Oh non! Oh non! J'ai spawné plein de trucs chelous. Mais surtout. You. Ah! Il est là! Regardez! C'est ce truc chelou là! Quand vous le prenez trois fois, il vous fait un jumpscare. Ah! Mais non! Je pensais que c'était trois fois! Ça arrivait à la deuxième! Hey, j'ai mal au cœur. Ah! J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, on reprend à la nuit 2. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt gentil. Ils sont pas trop méchants. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même spawner plein de docteurs. Parce que ce truc des petites figurines qui nous suivent, c'est rigolo. Mais si on en met genre plein, 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 plein. Ah! J'ai pas envie de faire cracher le jeu non plus, mais bon. Voilà, j'en ai spawné bon, une cinquantaine. D'ailleurs, le jeu il rame un peu, hein. Mais bon. On va voir s'ils nous suivent partout. Bébé! Allez, c'est l'heure de manger. Voilà. Tu te mets là. Oh, ils se sont mis debout déjà. Oh, oh, ils sont là. Hop, 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 hop. On va prendre ça. Voilà. Oh non! Il y avait la porte fermée. Comment vous êtes rentrés? Oh non. Oh non, ils sont partout. Oh non. Ouais, ils ont bardou les docteurs. Ils sont vraiment très méchants. Pose-toi là. Je vais... Oh! Non, hein? Bon. Un petit peu d'autorité. Je vais appeler Super Nanny. Bon, vous! Poussez-vous de mon chemin. Oh, la coucouche. Bon, poussez-vous. Mais regardez, mais vous faites n'importe quoi. Tiens. Hop. Merci. Oh, mais vous savez monter les marches? Mais bravo, mais... Je suis fier de vous, mais vous êtes tout petit. Comment vous faites, alors? Hop. Oh. Non mais c'est un peu ridicule là, vous êtes sur les robinets. Allez au lit. Ah bon, j'ai encore oublié ce truc. Au lit Gontran, au lit, L-I-T, au lit. Voilà, take baby to bed. Hop là, bonne nuit mon petit. Faites beau, tu veux des jouets? Bon d'accord, tiens on va spawner des petits ballons. Comme ça tu feras des bons rêves. Ça fait quoi si on spawn plein de ballons dans cette pièce? Parce qu'à un moment donné le plafond il sera recouvert de ballons. Et on pourra plus respirer, ça va être mignon, regardez, 3. Ah oui, ah il commence à exploser parce qu'il y en a trop. Oh puis les docteurs sont là. Bon allez bonne nuit, hein. Je te laisse avec ce bazar. Vous imaginez? Ah mais j'arrive pas à ouvrir la porte. On peut plus ouvrir la porte. Bon, bon, on va y aller, hein. Oh, il y a un ballon qui s'enfuit. Il y a un docteur qui a décollé. Wouhou! Super. Bon, allez, vous me laissez tranquille, hein. Voilà. Allez, on regarde la télé. Sympathique. Bonne nuit. Bonne nuit, babysitter. Nuit numéro 3. Dernière nuit. Nuit de la possession. Nuit de l'horreur. Nuit, nuit. Bonne nuit. Faites beaux rêves, l'enfant. Je vais te montrer mes rêves, ouais. Ouais, tu vas voir, ouais. La méchanceté de ce bébé, quoi. Non, mais... Et... Bon, les docteurs sont plus là. Bah, on va les spawner. Un petit peu de ballon, un petit peu de docteur. Ça fait pas de mal. Je m'amuse. Oh! Vous ai pas demandé d'exploser, hein? Voilà.
Comme ça, on fait la fête et puis il y a les docteurs. Ah, faut regarder le... D'accord, bon, bah voilà, faut marcher, merci. Oh, non, hein. J'allais me poser tranquille sur la... Hein, pour regarder la télé. Et puis toi, non. Est-ce que vous avez vu? Alors là, non. Petit ralenti, max du montage. On est d'accord, il y avait eu les yeux, hein. Il est possédé, le bébé, d'accord. On a vu tes yeux, c'est bon. Non, mais c'est bon, ça y est. C'est bon, on a vu tes yeux. Ça sert plus à rien de le cacher, merci beaucoup. Alors, ah, c'est le moment de nourrir le bébé. C'est le moment de nourrir le bébé. Ah, bon, moi je vais prendre un docteur avec... Oh, oh, attendez, je vais remplir ce truc de ballon. Oh oui. Enfin, remplir, je sais pas parce que ça fait plein d'allers-retours, hein, mais bon, je vais en mettre 3, hein, voilà, ça suffira. Donc, 2... Mettre encore, j'ai mis quelques docteurs aussi, hein, au passage. Voilà, on va... Arrêtez les docteurs, mais vous... Vraiment, mais vraiment... Voilà. Oh! Ah bah c'est malin, moi je... Merci. Je suis dehors... Oh, oh! J'aime pas quand il est comme ça, il est méchant, il est pas beau, il est vilain, il est tout... Voilà. Là t'es gentil. Oui, là t'es gentil. Bon. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Est-ce que ça, le ballon, il survit aux tentacules, là? Aux poulpes? On va voir. Bah, ah oui, ça le crève pas. Attendez. On va voir. Oh! J'ai éclaté le ballon sur la tentacule. Bon, toi, t'arrêtes. Eh, je peux le jeter de l'autre côté. Attendez. 1, 2, 3. Non, il passe pas. Bon, j'aurais essayé. Bon, les docteurs vont rester dehors. Merci. Bien! Ah, il faut te changer, c'est vrai, t'as fait un petit gaz. Oh, il a eu peur du ballon qui a explosé. Ça suffit. Attendez, il a vraiment peur du ballon qui explose? Mince, je peux plus le récupérer. Ah! Bon. Wouah! J'avais oublié. Oh! Bah, toujours aussi creepy, hein, mobile ou pas mobile. Creepy nounet, hein. Bon, bah, il faut aller chercher le talisman magique. On y va! Talisman! Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, j'avais jamais vu ce truc là, c'est quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du feu? C'est du ketchup? C'est... Oh, les docteurs! Mais non, hein! Non! Bon, bébé, tu vas... Oh, les ballons, ils ont tous été au plafond. C'est rigolo. Allez, 1, 2, 3. Wouhou! Ça y est, je peux te récupérer. On va pouvoir vérifier si le fait de faire des ballons te fait peur. Voilà, on en spawn, on en spawn. Ah, la musique... Ah oui, quand on porte le bébé dans les bras et qu'on explose les ballons, bah il aime pas. Ça le fait pleurer. Ce qui est tout à fait normal puisque même moi à mon âge, j'ai un peu la phobie des ballons. Je m'éloigne dès qu'il y a quelqu'un qui a un ballon parce que je sais que ça va exploser et ça va me faire la peur de ma vie. Donc voilà, on y va, on va... Oui. Ah! Mais j'oublie à chaque fois que c'est là qu'il va faire le truc. Bébé, t'as une grosse tête, hein, de toute façon, hein. Il a pris la grosse tête. Il est sur mobile, il est sur PC, il prend la grosse... Oh oh. Ah bah les docteurs, comme ça vous pourrez plus passer. Bah si, ils sont là. Bon, je prends un docteur dans les mains. Puis tu vas m'emmener, tu vas venir avec moi en enfer, hein. Je m'en fiche. Allez, on y va. Ah, y a le docteur. Non. J'ai traversé le docteur. Et maintenant on va où? En enfer. Bon, c'est la même fin, c'est la même histoire, mais c'est bien parce que c'est cool, ça se joue bien et c'est accessible à tous, quoi. Merci d'avoir joué, il y a toujours cette créature creepy. Grosse mise à jour le 12 décembre, nouvelle pièce, nouveau monstre, nouveau jumpscare, on apprécie, nouveau costume et plein d'autres choses encore. Super, bon, bah voilà, j'apprécie beaucoup. C'était Baby Yellow sur portable. Et bien voilà qui conclut cette vidéo Baby Yellow sur mobile. Et bien écoutez, il est génial, il est très bien optimisé, il est fluide, il se joue bien, il n'y a aucun bug, les sons, tout est pareil que sur PC. L'application était gratuite, vous avez vu, c'est payant pour avoir le costume de la Lane, mais sinon le jeu est gratuit, donc ça c'est top. Bien sûr, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels autres jeux vous voulez qu'on fasse. N'oubliez pas de laisser un max de likes avant de partir et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune notification. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!